Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى دين القرآن C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Allah nous a ordonné dans cette ayah de nous entraider pour la piété, à quoi que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits et la piété n'aura pas lieu sans le fait d'apprendre la science de la religion. Et quel meilleur guide pour la piété que le Coran honoré, el quran el karim celui dont profite réellement de sa récitation, celui qui en a appris l'explication. Tout comme il a dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il a rapporté l'imam Moutad al que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Et est-ce que la récitation du Coran n'est profitable si ce n'est avec la science Donc on fait une bonne attention l Dans le fait d'apprendre certains sujets Concernant l'explication De notre livre honoré Et plus particulièrement l'explication Et la suite de surat al-mulk Surat al-mulk Et on applique en cela la parole du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui l'a dit anni walau aaya", Transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya Et ça comprend aussi qu'on explique cette aïa, c'est encore plus de récompense et encore plus de profit que simplement de la transmettre. Le prophète a parlé tout comme il le rapporte al-Boukhali et Muslim, a dit, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc je rappelle à moi en premier, ainsi qu'à vous-même, de faire une bonne intention dans le fait d'assister aux cours de religion. Et on se rappelle que si on apprend l'explication du Qur'an, c'est pour l'agrément de Allah Azzawajal, c'est pour appliquer la première ayah dans ce thème, maïda qu'on a cité dans le sens de la partie de la ayah qui signifie que Dieu nous a ordonné de pour la piété et le bien, et quel meilleur bien que la bonne guidance qui est révélée dans le Qur'an honoré, qui comprend le tawhid, les histoires du passé, les jugements religieux, et tout ce que l'être humain a besoin dans son bas-monde et l'au-delà parmi les choses essentielles. De la religion et les sciences du bas monde, et également la parole du prophète, وسلم, dans lequel il nous a ordonné de transmettre ne serait-ce qu'une seule aïe. Et donc il y a beaucoup de récompenses à transmettre également l'explication du Coran et on le fait pour l'agrément de Allah, pour ne pas être concerné par ceux qui sont décrits dans le hadith de Muslim qu'au jour dernier seront interrogés pourquoi ils ont appris la religion, pourquoi ils ont resté le Coran et ils répondront soi-disant que nous on a fait ça que pour ton agrément au Allah Et il leur sera dit Ça veut dire que tu as menti Et certes tu as appris la religion pour qu'on dise de toi que tu es un savant Et tu as resté le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un récitant du Coran Et Il a été dit cela et la personne sera amenée en enfer Que Dieu nous préserve de l'enfer, le feu de l'enfer dont les gens qui brûleront regretteront de ne pas avoir écouté de la bonne manière la bonne parole et la bonne guidance et de ne pas avoir raisonné. C'est pour ça qu'on invoque Allah en disant oh ⁇ Allah fait qu'on soit parmi les gens qui entendent la bonne parole et qui suivent ce qui est le mieux de cette parole-là. à n'est pas juste ils entendent, ils écoutent également et comprennent. Ce qui leur est dit, et après ils suivent la bonne guidance. Parce qu'il y a des gens qui entendent mais ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. C'est vrai que dans le Coran souvent Allah Ta'ala compare les non-croyants à des gens qui sont sourds, à des gens qui sont aveugles, à des gens qui sont muets. Ça veut dire que ces gens-là ils sont muets, ils sont ça veut dire qu'ils sont muets. Rommun, c'est pas le de Arma, ils sont aveugles. beaucoup c'est pas le de Abkam, ça veut dire qu'ils ne savent pas parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu du noui qui leur a tiré profit avec la méditation de ce qu'ils entendent. Ils n'ont pas regardé de la meilleure manière d'un regard qui leur permettrait de méditer sur la création et de déduire l'existence de Allah, subhanahu wa comme on avait dans le cours dernier. Tafakkaru fi makhloukatillahi, wa la tafakkaru fil khaliq, comme il l'a dit Abdullah ibn Abbas, Tarjuman al-Qur'an, celui qui connaissait et qui excellait dans l'explication du Qur'an. Donc, les non-croyants sont comme des gens qui sont sourds parce qu'en réalité ils ne tirent pas profit de ce qu'ils entendent, qui sont aveugles parce qu'ils ne méditent pas sur ce qu'ils voient, Bukmoun qui sont muets parce que leur langue, elle n'a pas prononcé la parole de Tawhid. Elle n'a pas prononcé la formule qui fait entrer en Islam. La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, la ilaha illallah, et après il le prophète de leur époque, pour ceux qui étaient dans les communautés antérieures. Donc ils sont -um Ils sont sourds, ils sont aveugles, et ils sont muets. Et ils ne voient pas la vérité. Donc les gens de l'enfer, ils regretteront d'avoir eu cet état-là dans le bas monde. Et ils diront, comme ça rapporté dans la A 10 de Surah Al-Mulk, que Dieu rapporte leurs paroles en disant Et les gens de l'enfer diront Si seulement nous avions écouté et que nous avions raisonné, الصعير, nous ne serions pas parmi les gens de as du feu ardent, à dire les gens de l'enfer. À partir de cette aïa, les savants ont déduit, comme un asafi que parmi les causes de la responsabilité, il y a quoi Eh bien, il y a le fait d'écouter, l'ouïe et il y a également la raison. Comme on le sait, si quelqu'un il n'a pas de raison, il est fou, il n'est pas responsable. Et si quelqu'un il est né sourd-muet, comment il va entendre l'appel à l'islam il ne pourra pas entendre le message, donc il ne sera pas responsable non plus. Donc également, cette Aya, les savants, ils en ont tiré que parmi les causes de la responsabilité à Taklif, le fait qu'on sera interrogé au jour dernier, et le fait que la personne, elle entende et qu'elle raisonne. Parce que les gens de l'enfer, ils regrettent de ne pas avoir utilisé à bon escient leur oui et leur raison. Ça veut dire qu'au jour dernier, on sera interrogé sur ton oui. Et la raison, comme Dieu l'a dit, certes l'ouïe, la vue et le cœur. sur tout cela la personne sera interrogée donc c'est pas pour rien que Allah il ait la cité les sept organes mais là cité en priorité quoi l'ouïe et la vue, parce qu'avec l'ouïe et la vue tu apprends beaucoup de choses et tu vois la vérité, avec ta vue tu vois les miracles donc tu sais que le prophète Mohammed était sur la vérité tu vois la création de Allah n'est-ce pas que Dieu l'a dit, mais les Moshékines ne voient-ils donc pas le chameau, le dromadaire, comment il a été créé Le dromadaire, qu'il peut traverser pendant des jours et des jours le désert sans avoir soif, parce qu'il conserve l'eau dans sa bosse. Que le dromadaire, il a des pattes spécifiques qui sont larges, de sorte que quand il marche sur le sable, ses pattes, elles ne s'enfoncent pas dans le sable. Alors que toi tu marches, tes pieds vont s'enfoncer. Le chameau, malgré le poids qu'il a, qu'il est énorme, le chameau, et qu'il le chargeait de marchandises, tout ça, malgré ça, ses pieds, il reste à la surface du sable. Il s'enfonce pas dans le sable, malgré le fait qu'il est très très lourd, comme un animal. Le chameau, qui était très respecté par les Arabes, et qui était le bien le plus précieux pour les Arabes, pour les mouchekines. Un chameau, aujourd'hui, ça vaut 1000 euros ou plus. C'est presque le prix d'une voiture, un chameau. Et donc, pour les Arabes de Khoreish, à l'époque, c'était la plus grande richesse. Plus tu avais des chameaux, plus tu étais riche. Le chameau qui a des très bons caractères, malgré sa force, malgré, euh, sa puissance, malgré le fait qu'il est plus grand encore qu'un cheval. Et malgré ça, le chameau, il est modeste, il est humble. Au point que le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il a comparé le musulman au chameau qui a un anneau dans le nez. al muminu kal kal-jamalil-anif. À dire, le croyant, il est comme le chameau qui est anif, c'est-à-dire qu'il a un anneau dans son anf. Anf, en arabe, c'est le nez. Et donc pour conduire le chameau, il mettait un anneau en métal dans, dans son nez avec une corde. Et donc si tu tires sur la corde, directement le chameau, il n'a pas envie d'avoir mal au nez, donc du coup il te suit où que tu vas. Et même si tu passes la corde à un petit enfant, et ben l'enfant il, il dirige le chameau et le chameau il, il avance. Et les chameaux sont très modestes et ils sont très affectifs envers leur maître aussi. Et c'est connu chez les Bédouins jusqu'aujourd'hui aujourd'hui en Arabie tout ça, il y a des relations très très fortes d'affection, d'amour entre le chameau et la personne qui, qui les élève, etc. Même un petit enfant, il va jouer avec la chamelle, ou tu vois, il joue avec les petits chameaux, ou la chamelle, elle, elle, avec son cou, elle entoure la personne, ou la, même l'enfant, la chamelle va pas lui faire du mal, là, le grand chameau ne va pas faire de mal à l'enfant. Le chameau a énormément de qualités, et celui qui mange la, la viande de chameau, également, il prend des qualités du chameau. C'est une très bonne viande, la viande du chameau, et également le lait de la chamelle est extrêmement bon pour la santé. Et donc le chameau, il a beaucoup de bienfaits, on l'appelle Safinatou Sahra, à dire le navire du désert. C'est comme un bateau, mais dans le désert. Le chameau, également, parmi ses particularités, c'est qu'il peut manger des plantes épineuses et ça ne lui fait rien du tout. Il a un liquide dans sa bouche qui fait que ça le préserve de la nuisance des pics. Donc il peut manger des, des ronces comme ça, ou des, des buissons épineux comme ça, et euh, normal, il les mastique comme ça, et il les avale. Également, la, la laine de chameau, ça, ça, ça s'est fait avec la laine de chameau. La graine de chameau, tu peux faire des cordes, les bédouins aussi font des, des habits avec, etc. Le Wabar, le Wabar al-Jamal, il y a beaucoup de bienfaits dans, dans le chameau, dans sa viande, dans son lait, même dans l'urine du chameau, il y a des remèdes. Le prophète, salam, il a dit, alaykoum, bi aboua li ibeli, al baqari wa C'est-à-dire, -ba à dire, vous d'utiliser l'urine et le lait du chameau et de la vache. C'est-à-dire que dans le lait de vache, il y a des bienfaits, c'est marqué dans le Koran. Également dans l'urine de la vache, à a des bienfaits pour certaines maladies. Et chez les maniquites, euh, c'est pas considéré comme impur, hein, l'urine des animaux comestibles comme le chameau et euh, la vache. Et également le chameau, la chamelle, son lait est très profitable et son urine aussi. Au point qu'il y a certaines maladies, le remède c'est de boire du lait de chameau avec de l'urine de chameau. Surtout pour ceux qui ont des problèmes aigus de ventre, etc. Et certains savants disent que c'est n'est pas impur. Et le prophète, il a recommandé ça. Diyar comme a à vous d'utiliser le lait des chamelles et des vaches ainsi que leur urine. En Espagne, c'est connu l'urine de vache, ils s'en servent jour pour l'acné, pour soigner de l'acné. Euh, également, euh, ils s'en servaient dans le passé pour se brosser les dents, ce qu'on appelle l'urine d'Espagne. Avant le dentifrice, les gens en Europe utilisaient ce qu'on appelait l'urine d'Espagne et se brosser les dents avec de l'urine parce que l'urine de, de, de vache il est très acide très corrosif donc euh, jusqu'à aujourd'hui au Portugal tout ça et j'utilise l'urine de vache ceux qui habitent un peu à la campagne tout ça pour euh, enlever les boutons d'acné ou des choses comme ça ou pour soigner certaines maladies etc c'est pour ça qu'aussi, aussi euh, en ce moment il y a une mouvance où il y a plein de gens ils disent oui c'est pas bon l'urine de vache parce que soi disant la vache euh, le, le petit la vache, il boit le lait pour grandir vite, et donc si tu bois trop de lait, ça va faire grandir tes organes trop vite, je sais pas quoi. Et il faut prendre avec parcimonie euh, ce que certains y disent. Toute euh, nourriture, euh, si elle est prise trop avec excès, elle peut être nuisible pour la santé, même les dates, même les choses, même le miel, etc. Mais il a, et, quand c'est pris de la bonne manière, eh ben, ça a des profits pour la santé. Et ça, c'est dans le Coran. Tout à l'heure, j'ai dit que dans le Coran, il y avait tout ce qui était utile pour les personne sur des choses du bas monde de l'au-delà. Et Allah Ta'ala Il a dit wa kulu wa wa la tusrifu. Et mangez et buvez mais n'abusez pas. À l'époque, dans le passé, il y avait un chrétien qui voulait débattre avec un savant. il a dit oui, vous les musulmans, vous dites que votre livre il rassemble la science des premiers et des derniers. Jamaharil mal awalin wa akhirin. a dit moi, dans votre Coran, j'ai pas trouvé la médecine. Donc soit disant, vous êtes des menteurs. Et ce savant-là, c'est possible que ce soit Al-Balkillani, il a dit et bien, Allah Ta'ala, il a résumé toute la médecine en une seule aïe. Il a résumé tous les principes de la médecine en une seule parole Wakulu, Mangez et buvez, mais n'abusez pas. C'est-à-dire, tu ne manges pas trop et tu ne bois pas trop. C'est comme ils disent les médecins Al-Marida Tubaytudda, wal himyatur Ce n'est pas un hadith prophétique, mais c'est la parole des médecins. Ça veut dire les médecins du passé, les médecins arabes du passé, Ils disaient que le marida, l'estomac, c'est la maison des maladies. C'est là où se concentrent toutes les maladies. La plupart des maladies, c'est vient de ce que tu manges. Et le fait de faire des régimes particuliers, de manger certaines choses plutôt que d'autres. Le fait de trier dans tes aliments, de manger que ce qui est bénéfique, ça, c'est la base des remèdes. C'est la base des remèdes pour les maladies. Et on a vu que Sulaiman alayhi salam, quand il priait, il y avait une plante qui poussait à l'endroit où il a prié. Et la plante lui disait pourquoi elle était créée. Mais la base pour être préservé de beaucoup de maladies, et c'est ce que les gens n'appliquent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de maladies, c'est de réduire son alimentation et sa boisson. De consommer uniquement ce que as besoin pour ta subsistance et de pas abuser dans les boissons, même l'eau, de pas trop, trop, trop boire de l'eau. Non plus de pas manger euh, trop. Et ça, ça rentre aussi dans le biais de ce qu'on appelle l'ascétisme, the hood. Et tous les prophètes étaient ascètes. Et dans le passé, les musulmans ils mangeaient de la viande en général le jour du vendredi, pas tous les jours la viande matin et soir. La viande de mouton, c'est très bon pour la santé. Au paradis, il y aura des moutons, au paradis, il y aura des oiseaux. La viande d'oiseau, et viande de mouton, c'est une très bonne viande. La viande de poulet. Mais malgré ça, tu ne vas pas manger tous les jours matin et soir. Tu en manges par exemple deux, deux fois par semaine, par exemple. Une fois par semaine, trois fois par semaine, plus que ça, après ça devient du arôme. D'accord Ça devient du superflu. Ton corps, il n'a pas besoin. Même certains chercheurs, ils ont remarqué que si tu manges de la viande, en fait, tu as au niveau protéines tout ça, tu as des nutriments qui te restent dans le corps pendant un an. Donc, euh, t'as pas besoin de manger de la viande tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est surtout qu'il y a beaucoup de protéines, de calcium, tout ça que tu peux avoir en dehors de la viande, d'accord dans, dans les pois chiches, dans certains légumes, etc. Donc, la personne n'a pas besoin de manger tout le temps de la viande et la viande. D'en manger trop, ça fatigue le cœur. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des maladies parce qu'ils mangent trop de sucre, ils mangent trop de gras, ils mangent trop de viande. Il mange trop de manière générale. Même si tu manges des choses bonnes pour la santé, si tu en manges trop, ça peut te rendre malade. Et si tu en manges pas assez, ça peut aussi te rendre malade. Donc tu, tu regardes ce qui est euh, le mieux. La, la dose qui te convient, pas trop non plus. Le prophète, il a dit, le fils de Adam n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et il a dit, l'okhaimat. Et il suffit au fils de Adam, rappelez le mot hasab, on l'a déjà vu dans le cours précédents, hasbun Allah, hasab, Adam, dire la suffisance. Ce qui suffit au fils de Adam, il y a l'être humain, quelques bouchées qui maintiennent la force de son corps. Ça veut dire que l'être humain n'a pas besoin de manger trop. Après, bien sûr, il faut que l'estomac s'habitue, mais si quelqu'un est habitué à manger peu, il se suit de peu. Même pendant la mandande, quand tu jeûnes, après, des fois, le soir, quand tu veux rompre, tu manges quelques dates, t'as même déjà plus faim. quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est louable dans la religion, de manger peu. mais ne c'est pas tu manges peu, de sorte que tu te nuis, les années Mais les compagnons, ils mangeaient deux repas par jour. Un repas le matin, un repas le soir. Même le petit déjeuner, ça a été inventé plus tard. À la base, même en France, ils mangeaient pas le matin. Et ils mangeaient au déjeuner, au repas de midi. Et comme ils s'abstenaient de manger toute la matinée, donc ils appelaient ça un jeûne, ils étaient à jeun quoi, jusqu'à midi, et après ils rompaient leur jeûne, donc ils faisaient ce qu'on appelait un déjeuner, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de jeûner. Et après ils ont inventé le petit déjeuner. Mais en fait, le petit déjeuner, le mieux c'est que tu ne le manges pas. Ils disent soi-disant le repas le plus important de la journée. Alors, en réalité il vaut mieux que tu restes à jeun la matinée, comme ça tu termines de digérer ce que tu as mangé la veille. Et après, tu manges vers le mieux de la journée ou vers le mieux de la matinée. Ça, c'est le mieux. C'est comme ça qu'ils faisaient les compagnons. Ils mangeaient un repas le matin et un repas le soir. Et pareil, le repas du soir, tu ne le retardes pas juste avant de dormir. Le mieux, tu le manges par exemple 2h30 ou 3h avant de dormir. Vers 18h, par exemple, tu manges le repas du soir et après, tu te couches à 20h, par exemple. Ou vers 17h, tu manges et après, tu te couches vers 19h30 ou 20h. Deux repas par jour c'est ce qu'ils mangeaient les compagnons en général et le prophète alayhi salam comme l'ont les compagnons et les savants dans le hadith qu'il est décédé et il n'a jamais été rassasié deux jours de suite du pain d'orge c'est à dire que le prophète il mangeait pas tout le temps à sa faim et le prophète alayhi salam il a dit qu'il suffisant pour maintenir la santé du corps humain l'urqaymat l'urqaymat c'est le pluriel de l'urqayma et l'urqayma c'est le diminutif de l'urqma, l'urqma c'est la bouchée et l'uqaïma, c'est petite bouchée. Et quand tu dis l'uqaïmat, c'est ce qu'on appelle djamuqil en arabe. C'est un pluriel de petitesse. En arabe, il y a des pluriels, euh, qui désignent un grand nombre, et il y a des pluriels qui désignent un petit nombre. Ça, c'est dans la langue arabe. On apprend ça aussi en sorf. Est-ce qu'on appelle djamuqafra, et ce qu'on appelle djamuqil? Par exemple, kelb, ça veut dire chien en arabe. C'est bon? Si tu dis kileb, ça, c'est euh, un pluriel, mais c'est un pluriel de grand nombre. À la base, le pluriel de, de kelb, tu dis akloub, d'accord C'est un pluriel de petit nombre. Après kileb, c'est grand nombre. Et après, il y a le pluriel du pluriel, ce qu'on appelle jamar, ou uh, jam -jama, cest à dire uh, le, la finalité du pluriel. Tu, tu mets au pluriel le pluriel, quoi. Et tu dis akalib, akalib sur la trame afaril après il n'y a pas plus que ça et donc les mots en général en arabe ils ont un pluriel petit ça veut dire que c'est entre 3 et 10 certains ils ont dit certains savants ils ont dit que ça commence à partir de 3 et après ça continue et que le pluriel de grand nombre ça commence à partir de 10 et certains ils ont dit non ils ont dit, le pluriel de petit nombre c'est entre 3 et 10 et le pluriel de grand nombre c'est au dessus de 10 par exemple, si je dit, Akalib, en arabe, ça veut dire qu'il y a plus que dix chiens. Ça veut dire, akloub, il y a 3 chiens, 4 chiens, 5 chiens. C'est clair Et Plein d'exemples. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils appliquent plus ces règles-là. Et puis de toute façon, en arabe, tu peux faire des majas, des, des métaphores, tu peux faire des figures de style. Et donc en arabe, c'est permis d'utiliser des pluriels de grand nombre pour un petit nombre, ou un pluriel de petit nombre pour un grand nombre. Là, il y a une, une aisance, une certaine marge de tolérance à ce niveau-là. Mais... À la base, quand on lit les hadiths sur le Coran, on fait attention au type de pluriel qui sont employés. Parce que si le prophète, il employait un pluriel de grand nombre, c'est pour une raison. S'il si employait un pluriel de petit nombre, c'est pour une raison. Et dans ce hadith-là, il a dit l'Uqayma. Déjà, il a dit ce qu'on appelle un tasurir, à dire, il a rétréci le mot l'Uqma en l'Uqayma, c'est-à-dire une petite bouchée. Et il a dit à atun. Il a pas dit l'Uqam, par exemple. Il n'a pas employé ce qu'on appelle un jarmoum taxir. Il a employé le jarmoum muannas salim. Et dans ce contexte-là, ici, ça veut dire un pluriel de petits nombres. À dire qu'il est suffisant au fils de Adam, pour qu'il puisse vivre euh, dignement, de manger quelques petites bouchées, c'est-à-dire entre 3 et 10, c'est-à-dire 8 bouchées, 9 bouchées. Vous avez vu C'est vrai que ceux qui disent soi-disant, euh, non, et pourquoi tu passes par les savants La religion, on le prend directement du, de l'Afar, du Qur'an, du Hadith. Afar, c'est le Hadith. On le prend directement du, de l'Afar, le Hadith de la Sunna ou du Coran, pas besoin de passer par les Mouchtarires, etc. Tu as la connaissance suffisante en arabe pour comprendre ça du Hadith? Le Prophète salam il a dit: lirin muballighin À dire, c'est souvent il y a des gens qui retransmettent le Hadith du Prophète salam mais qui le retransmettent à quelqu'un qui le comprendra mieux que lui. À dire que même parmi les compagnons il y a beaucoup de compagnons qui ont retransmis les hadiths du prophète, mais ils n'étaient pas capables de déduire des jugements religieux du hadith, juste ils retransmettaient, tels qu'ils ont entendu. Et l'imam El-Shafiri, ou l'imam Malik, ou l'imam Abou Hanifa, Abou Hanifa, il a entendu, il a rencontré des, a rencontré des... A rencontré des compagnons, même s'il n'a pas étudié directement auprès d'eux parce qu'il était jeune. Mais les savants qui sont venus après, les Ta'Birin, ou Atbar et tabirin, ils n'ont pas entendu directement les hadiths de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ces savants mouchtahid là ils ont compris des choses du hadith que des fois certains compagnons n'avaient pas compris. Parce que c'était pas tous les compagnons qui étaient des mouchtahid Il y avait qu'environ 200 mouchtahid parmi les compagnons. Et certains, ils ont dit moins que 10. Les compagnons du prophète, c'était pas tous parmi eux, étaient des savants. Des grands érudits. Et il y en a qui sont venus après eux, qui n'étaient pas des compagnons, qui étaient mouchtahid Comme les quatre grands imams qu'on connaît. Et ben, eux, ils ont compris des choses dans le hadith, déduit des, des jugements religieux, que des fois les compagnons n'ont pas su déduire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Rubba ila afqahu minhu. combien de gens ils se contentent de retransmettre le hadith tel qu'ils l'ont entendu, combien de gens ils se contentent de retransmettre le hadith tel qu'ils l'ont entendu à une personne qui lui comprendra mieux le hadith que lui. Ça veut dire qu'il y a deux types de personnes. Parmi les gens, il y a des gens, leur part c'est juste de retransmettre la religion. Et il y a des gens qu'on appelle les mouchtaïs, c'est les plus grands savants. Qui eux, à partir de ce qu'ils ont été euh, retransmis, à partir de ce qui a été retransmis, sont capables de faire des jugements religieux. Donc ça montre qu'on n'est pas tous égaux dans la compréhension de la religion. Et la plupart des gens ne sont pas capables de faire des jugements religieux des hadiths. Donc on est obligé de passer par les sahems qui eux nous expliquent les textes. Là le hadith que a cité là, n'est-ce pas que le prophète d'islam il a dit qu'il a fait une dora pour que la personne ait un beau visage? Que Dieu accorde un visage resplendissant Samira pour celui qui a entendu ma parole, fawaraha, qui l'a comprise, faaddaha, kama et qui l'a retransmise tout comme il l'a entendu. Qui a entendu la parole du prophète. Ça montre déjà que la science de la religion, c'est par transmission orale. c'est pas en lisant les livres ou en allant sur site internet comme ça. C'est avec un enseignant qui t'explique oralement. Iman Samira le prophète a te fait une invocation. Pour que tu aies un beau visage, tu ne seras pas châtié au jour dernier. Si tu as ces trois conditions-là, tu as entendu la parole du prophète, soit de lui-même, ou soit de qu'elle a été retransmise de lui, bien sûr, parce que nous, on n'est plus à son époque. Alors, allez, soit toi, salam. Fawara, qui a bien assimilé cette parole-là, qu'il a bien comprise. fa addaha kama, et qu'il l'a retransmise tout comme il l'a entendu. Vous avez vu l'insistance sur le fait d'entendre la science Il n'a pas dit tout comme il a lu, tout comme, euh, non, tout comme il l'a entendu. La science, ça s'entend. On a vu au début du cours, les gens de l'enfer, ils diront, si seulement nous avions entendu et raisonné, parce que tu entends et après tu raisonnes, tu assimiles ce que tu as entendu. Le prophète l'a dit quoi L'iman Samira Machroalati, celui qui a entendu ma parole, Fawaraha, qui a comprise, son cœur, son intelligence, elle a fonctionné pour qu'il comprenne. L'intelligence est dans le cœur, bien sûr. Kama, Samiraha, et qu'il l'a retransmise tout comme il l'a entendu. De retransmettre la science sans déformer, sans rajouter quelque chose qu'il faut dedans, sans enlever quelque chose qui va enlever du sens. Après, bien sûr, les savants, comme il a dit, euh, il a dit, euh, s'il si n'était pas permis de rapporter les hadiths dans le sens, alors on n'aurait pas rapporté de hadith. Ça veut dire pourquoi il y a plusieurs versions dans les hadiths, c'est le même sens, mais certains mots ils changent, parce que même les compagnons. Il ne rapportait pas tout le temps mot à mot exactement à l'être près ce que le prophète il a dit. Des fois, il reformulait le hadith, mais en donnant le même sens. Donc, si quelqu'un est très fort en langue arabe, il sait que sa reformulation ne va pas affecter la signification du hadith, qui va rester dans la signification que ce que le prophète il a dit, il a le droit de, de, de rapporter le hadith dans le sens. D'accord Si ne se rappelle pas mot à mot à l'être près. Et bon, nous, les gens du commun, on ne va pas faire ça parce que tu n'as pas la garantie de bien reformuler. C'est clair donc ce hadith là, il comporte l'encouragement de la part du prophète, hein, les toi salam, à apprendre la religion et à retransmettre la science de la religion et à retransmettre la science de la religion. Donc c'est pas toute personne qui entend la parole du prophète, il la comprend. Et c'est pas toute personne il y le Coran ou il y le hadith, il comprend ce qui est visé dans le Coran et le hadith. C'est pour ça que les grands savants, parce que parmi les conditions du muhtajit c'est qu'ils soient extrêmement intelligents, qu'ils soient vertueux, qu soient dignes de confiance, Sarni qui évite les grands péchés, qui fait pas beaucoup de petits péchés, et également qu'il ait la connaissance, euh, l'érudition dans la langue arabe suffisante pour euh, connaître la manière de parler de l'arabe littéraire qui était à l'époque du prophète, etc., etc. Comme par exemple ici, c'est quoi les pluriels de Qilla et des pluriels de Kafra, c'est quoi les pluriels de petits nombres, de grand nombre, de sens qu'il comprend pourquoi le prophète a dit ça, parce qu'en fait, il fait référence à un petit nombre ou à un grand nombre, comme dans le hadith qu'on est en train de citer maintenant il suffit au fils de adam quelques petites bouchées petites bouchées c'est pas des grosses bouchées et en plus c'est un pluriel de petites a, donc c'est moins que 10 donc l'être humain il peut vivre en mangeant dans son repas huit bouchées 9 bouchées 10 bouchées et après il a dit allez wa wa thuluthun lisharab wa et si vraiment la personne, elle veut manger plus que cela, et que c'est nécessaire pour elle, alors qu'il fasse un tiers de nourriture, un tiers de boisson, et un tiers de vide. C'est-à-dire, quand il mange, il ne remplit pas son estomac. Jusqu'à Rabord, le prophète d'Aïslam, quand il mangeait, il s'asseyait sur le sol comme celui qui, qui s'apprête à se lever. cest à qu'il n'était pas assis sur une chaise ou les deux fesses par terre. Il s'accroupissait, il mettait son genou ici, le genou droit. Et le genou gauche, il, il s'assied sur son talon, son pied gauche. Et, le, et la jambe, il la replié contre son estomac. Et quand tu serres ta cuisse sur ton estomac, est en pliant ta jambe comme ça, la jambe droite et l'autre gauche, tu la mets accroupie, et ben tu serres ton estomac, du coup ça empêche que ton estomac soit entièrement rempli. Et ça, c'est pas la sauna de faire un tiers de nourriture, un tiers de boisson, un tiers de vide. La sauna, c'est de manger moins que cela. Ce que le prophète nous a expliqué dans le hadith. Mais si vraiment quelqu'un, il veut faire plus, alors il fait un tiers pour la nourriture. Un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air, ça veut dire qu'il remplit, il laisse un tiers vide dans son estomac. Et le salam il s'arrêtait toujours de manger avant qu'il soit rassasié. C'est-à-dire que tu t'arrêtes de manger alors que tu as encore l'envie de manger un petit peu. Et ça, c'est le mieux. Comme ça, la digestion, elle est mieux et tu n'es pas ballonné, etc. Et c'est mieux pour la santé aussi. Parce que plus tu manges, plus ton estomac, il travaille, plus ton corps, il fatigue. Et après, euh, bah, au fil des années, ça, ça peut faire des maladies aussi. Et c'est pour ça aussi que le prophète, AS, il a dit Il a dit le mérite de raisha par rapport au reste des femmes, et comme le mérite du thariid par rapport au reste de la nourriture. C'est-à-dire que raisha, elle est parmi les meilleures des femmes. D'accord Elle est parmi les cinq meilleures femmes du monde. D'accord Il y a la meilleure femme du monde, c'est qui C'est Mariam, alayhi salam, Mariam, Asya, Fatima, Khadija et Ra'isha. D'accord, Fatima, elle est meilleure que sa mère uh, Khadija. C'est les cinq meilleures femmes du monde. Et donc le prophète, -salam, il a dit, le mérite de Ra'isha par rapport au reste des femmes, c'est comme le mérite du tharid par rapport au reste des aliments. Le tharid, c'est quand tu trempes le pain, par exemple dans du lait ou dans l'huile d'olive. Ni tu, tu coupes le pain en, en morceaux et tu le mets dans le, soit dans le jus de la viande, dans une sorte de sauce, même si ce n'est pas de la sauce, hein, dans du lait, dans de l'huile, dans du vinaigre. Tu manges le pain trempé, donc le pain est ramolli. Et même ça rentre dans ça, les cornflakes, quand tu mets euh, des, des céréales dans du lait, ça sera ramolli. Ça, ça rentre aussi dans la sunnah du farid. Ça veut dire que, en fait, la nourriture-là, elle est ramollie et donc elle est très facile à digérer. Et c'est très bon pour la santé. Bien ah, mais ça, ça dépend ce que tu manges. Je ne parle pas des cornflakes bourrés de sucre, hein, mais je te parle que le fait de mettre euh, du pain dans du lait ou tel que cela. En France, c'est ce qu'ils mangeaient hein, tous les matins les gens de la campagne en France euh, pendant des années jusqu'à récemment. Euh, auparavant, les, les gens à la campagne en France, ils prenaient de la miche de pain, ils prenaient de grosses tranches de pain et, et mangeaient le pain et le lait le matin avant de partir au champ et puis après ils mangeaient à, à midi ou, ou tel que cela c'est ce qu'on appelle le farid, et ça, ça a beaucoup de profit. Et le prophète c'était la plupart de ce qu'il mangeait, le farid. Même s'il mange pas la viande, juste le jus de la viande avec le pain. Et le premier qui a coupé le pain comme ça, qu'il a émietté pour le mettre dans le jus de la viande, c'était l'ancêtre du prophète, Haris Salam, qui a été surnommé Hashim. Ha Hashim parce que c'est le premier qui a Hashama al khoboz fil farid, parce qu'avant les Arabes ils consommaient le jus de la viande, mais lui il a eu l'idée ce qui est donné à manger aux gens, etc. C'est très généreux. Et bien, il a eu l'idée de mettre du pain dedans. C'est-à-dire de couper le pain et de le mettre trempé dans le jus de la viande quand c'est plus consistant. Et donc, comme c'est le premier qui ça parmi les Arabes, il a été surnommé Hashim. Mais Hashim, ce n'est pas son vrai nom. Hein. C'est-à-dire celui qui, qui, qui tranche le pain, celui qui a déchiré le pain pour le mettre dans le thalid. Hashim. Et donc, ça, c'est ce que le prophète, alayhi salam, il a dit. Et donc, quand ce chrétien-là, il a dit à ce savant-là, euh, dans le col il n'y a pas sur la médecine, bah, le savant il a dit Bah, si, il a, Dieu l'a tout résumé en une seule parole, tout et mangez et buvez et n'abusez pas. Vous avez vu tout ce que vous explique la de col Si tu lis juste cette aïe tout seul, est-ce que tu vas comprendre tout ce que je t'ai dit Si tu lis juste le hadith que j'étais juste auparavant, concernant les bouchers est-ce que tu vas comprendre tout ce que je t'ai dit Non, mais moi je le dis parce que je l'ai appris des savants. C'est eux qui m'ont expliqué euh, comment on comprend ces textes-là. Mais eux, comme ils ont une grande connaissance en la langue arabe, ils savent quest ce qui est visé par les mots. Là, le prophète l'a employé un hein, diamant Et le en arabe, c'est entre 3 et 10. Donc c'est des bouchées qui sont moins que 10. Mais ça, si quelqu'un n'a pas appris en langue arabe, il va juste comprendre quelques bouchées suffisent. Mais il va pas aller jusqu'au stade de compréhension-là. Et le coran n, c'est pareil. Plus tu apprends en langue arabe, plus tu arrives à accéder à des subtilités dans le coran n que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que le Qur'an c'est la plus forte rhétorique en langue arabe, et la plupart des gens ne sont pas aptes à comprendre tous les jugements religieux ou à déduire les jugements religieux à partir du Coran et du Hadith. Donc faire attention aux gens qui te disent, oui il faut revenir à, à la Sunna et au Hadith, il faut pas regarder ce que les savants, Moustahid ils ont dit, il faut que toi-même directement tu prennes directement du Coran et du Hadith, mais nous on n'a pas le niveau pour faire cela, on n'a pas du tout le niveau. Mais ben moi, je vous explique des choses, mais ce que je vous explique, c'est pas moi qui ai trouvé tout seul. C'est je, je fais juste retransmettre ce que les savants, ils ont dit dans le tafsir, d'accord Par exemple, là, c'est euh, tafsir la nasafi aussi à partir duquel je prépare le cours. Ça, c'est juste la moitié du tafsir. Bon, ben, ça c'est un exemple. À dire que là, vous ne croyez pas que tout ce que je vous dis, je le sors de ma tête. C'est parce que moi, j'ai aussi appris dans des livres de Firkh, dans des livres de langue arabe, dans le tafsir, etc. Et donc, du coup, là aussi, j'ai un autre livre avec lequel je fais le cours. Elle dit, je ne parle pas du tout de ma tête. Elle dit Mais nous, on n'est pas des savants. On se contente juste de retransmettre ce que savants ont dit avant nous. D'accord on, on se contente de retransmettre ce que savants ont dit avant nous. Parce que le prophète a, 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 a dit Et il a dit également Et il a dit également